Merde in France, cacapoum, cacapoum. Alors voilà, dernière vidéo de la nuit ou du matin. Il est approximativement 2h30. Ah, les experts psychiatres disent oui, c'est mes heures. C'est mes horaires, vous avez peut-être bousillé mon cycle de sommeil ou j'en sais rien. Ah, attention, hein. Ne m'envoyez pas aux ambulances. Parce que quand j'étais interné au CHS de Kraft, en 2012, c'était pas loin de Volotunani Koukou. Il y avait un pauvre turc avec personne ne lui causait. Il avait perdu un moment patience, il a donné, enfin ça je ne l'ai pas vu mais je l'ai entendu, donner des coups de pied dans une vitre et tout ça. Et j'entendais hurler et tout ça, ils l'ont mis à poil dans une chambre capitonnée. Humiliation quand il mangeait, je l'avais en face de moi. Quand il mangeait, il était en robe de chambre. Je ne sais pas s'il a bien ce libre en dessous. Voilà ce qui s'est passé. Oh, CHS, Birchenkraft, quand j'y étais. Et alors, j'ai donc vu aussi une pauvre dame qui était là, j'ai peur, j'ai angoissé. Je pouvais comprendre ce qu'elle ressentait, puisque j'ai ressenti la même chose quand j'étais ministre. Ça, c'était l'introduction. C'est sûr que je mélange un peu tout, mais j'ai tellement de choses à dire, puisque, comme je dis généralement, je ne suis pas une victime, je suis une super victime. Alors hier, jour du canard, je reçois ça. Dernier avis avant opposition sur compte bancaire et employeur, c'est envoyé par Alsace Jury, huissier de justice associé à un boulevard de Nancy, 67 Célestin, téléphone 03 67 37 01 35. Pour... excès de vitesse maximale autorisée 50 km/h à Ichtratsheim, Renault, tatadita. Et j'étais il y a eu 1 km/h de trop avec les 5 chronos, c'est monté à 211 €. Marie Ferrand, Teresa, Marie-Paul Horn et l'assistante sociale Hélène Munich qui normalement devrait mettre en place un échéancier pour... Ils sont injouables. Alors, je suis, moi, un gentil moniteur auto-école avec ma 8e autorisation d'enseigner 450 km. 20 000 heures. Donc, je suis un expert puisque les Japonais disent qu'au-dessus des 10 000 heures, lorsqu'on a exercé dans un domaine, mais on peut revendiquer une expertise. Je suis poursuivi. Je suis allocataire du RSA. Je suis poursuivi. Et les moteurs du peloton d'intervention, la brigade motorisée de Célestat, le vendredi 3 juillet, m'ont arrêté au matin parce que j'avais le feu stop allumé de ma Renault Clio. Ils ont immobilisé la voiture, un endroit très dangereux, puisqu'il y avait énormément de circulation entre Versailles et direction la RN83 Guggenheim. Ah, ils ont flippé parce que le gendarme était le moteur était très arrogant. Il a dit ah, moi j'étais mécanicien auto et tout, donc c'est remarqué sur mon front. J'ai sorti major de promo de ma session en 98 à l'AFPA de Célestat, de rue des Corps de Garde. Donc j'ai démonté devant lui le contacteur stop, il avait pris un peu de jeu, donc comme c'est un contacteur inversé, il avait pris 1 mm de jeu, donc les faux stops restaient allumés, il se trouve que c'est une infraction. C'est une infraction, j'ai d'abord été condamné dans un premier temps par le tribunal, donc j'ai eu à recommander avec 75 €, comme je pouvais pas payer, c'est monté à 207 €. Alors, bien entendu, ce gendarme n'a pas respecté, comme je l'ai déjà expliqué dans une vidéo auparavant, le maître de geste barrière, il s'est approché à moins d'un mètre de moi, donc mise en danger de la vie d'autrui. Il m'a rendu les papiers sans les gants, là aussi, pour avoir un couronne dessus. Donc, pour l'instant, j'ai fait le test par la suite, je suis négatif au 1 et 2. Toutefois, il y a eu mise en danger de la vie d'autrui. Qu'est-ce que vous voulez? C'est pas moi qui le dis, c'est... comment il s'appelle, l'acteur de...
cinéma là, qui est. Il a dit, moi ça me fait toujours marrer quand j'entends tout homme naît libre et égaux en droit. C'est Patrice Lucchini. Ça le fait rigoler. Tout homme naît libre et égaux en droit. Alors, je vous invite aussi à taper sur YouTube rap et haute pierre. Alors, j'ai absolument rien contre. tous les, je gère mieux puisque j'y ai travaillé dans les quartiers en moniteur auto-école. J'arrive mieux à gérer tous les gamins et les gamines qui sont là-bas et que j'ai formé. Donc déjà dans auto-école, puisque j'ai même appris le turc auto-école, Yavash, Klemse, Dikat, Arabas, Olamar, Sakai, Getch, Sakai, Kaldram, à droite, c'est le trottoir, tout ça, Ok, c'est la flèche, Yeshil, c'est blanc, etc. Donc il y avait à l'époque des collègues qui m'ont dit, c'est pas à toi d'apprendre le turc, c'est à eux d'apprendre le français, qu'est-ce que vous voulez qu'une dame de 50 ans, par exemple, qui est venue de Turquie, apprenne le français. C'est déjà hyper compliqué pour elle de comprendre les règles du code de la route, arriver à changer les vitesses et tout ça, si en plus il faut apprendre le français. Donc je me suis mis, comme j'étais en contact avec des étudiants qui étaient parfaitement bilingues, je me suis dit, je vais prendre des notes. Chaque jour, je vais apprendre 5 mots. Au bout de 30 jours, il y aura 5 fois 30, 150 mots. C'est plus qu'il en faut pour enseigner la conduite automobile. Voilà. Je ne sais pas dire bonjour et au revoir, en turc. Par contre, je sais dire change les vitesses, donne les directions, tourne le volant, embrayage, débrayage. Voilà, signal, c'est le clignotant, contrôle, c'est les rétroviseurs, etc. Voilà. Donc, rap Haute-Pierre sous YouTube, vous y voyez un petit peu ce qui s'y passe. Et moi, au 36 rue de l'Hôtel de Ville, bien entendu, ces gens-là peuvent venir me piquer ma téloche. La 36 rue de l'Hôtel de Ville, à Rideau, c'est pas une zone de non-droit. Ah! Ah! Attention, mon lavabo. 1, 2, 3. Le superbe journal Hebdi Thierry France. Allez, petite chanson pour terminer. La banane d'Andy Warhol. Heroin. It's my life, it's my wife. Il y a aussi la banane du plombier. La banane du douanier. La banane.